Bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur le parallélisme. Alors, parallélisme multicœur essentiellement, c'est-à-dire essayer de faire fonctionner un programme sur les machines d'aujourd'hui, début du XXIe siècle, donc là, qui ont plusieurs cœurs pour s'exécuter. Donc, je vais essayer de proposer quelques schémas simples en Erlang pour essayer de diviser le calcul, un calcul sur plusieurs cœur ou dans plusieurs processus. Donc les points importants que je veux aborder, c'est de faire du parallélisme, certes, oui, mais un parallélisme très réduit, à taille humaine. Alors c'est difficile peut-être de toute façon de faire du parallélisme plus grand, c'est-à-dire de réfléchir bien à comment distribuer un calcul sur un nombre quelconque de nœuds de calcul. Pour ce qui me concerne, donc c'est les contraintes technologiques qui font que je vais le faire plutôt sur quelques nœuds, donc quelques, parce que c'est lié au nombre de cœurs qu'on a aujourd'hui sur les machines. Et puis, ça va être avec des schémas très simples. De toute façon, il va falloir distribuer le calcul sur 2, 3 dizaines maximum de nœuds. Donc, ça doit être de façon assez simple. Et surtout, ce que je voudrais, c'est éviter les boucles en particulier, parce que les boucles, c'est le début après des problèmes, des boucles de rétroaction, ou des boucles de communication, ou des protocoles d'échange où il y a des discussions dans les deux sens. Donc, si on n'a que un graphe acyclique de communication entre différents processus, il y aura a priori moins de problèmes. Le langage Erlang a été choisi pour les exemples parce qu'il est très facile d'utilisation et bien adapté. Donc, qu'est-ce que j'aborderai pas ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Des choses qui sont proches quand même de la programmation en parallèle, qui sont arrivées ces dernières années, c'est par exemple toutes les programmations qui sont fonctionnelles, qui sont sur la base du MapReduce. Alors il y a des choses qui sont proches, qui s'appellent Replicate, Reduce ou Split Merge, qui consistent donc à essayer d'utiliser le fait que les données sont déjà un petit peu séparées les unes des autres et peuvent être traitées séparément pour faire des choses en parallèle. Et ça s'adapte bien à la programmation fonctionnelle. D'autres choses qui sont plus sur l'organisation du travail, donc data flow programming ou workflow programming, donc la programmation en essayant de voir le circuit des données ou le circuit des travaux. Il y a d'autres façons de programmer. Alors, on peut aussi se rappeler de ce que était à la base de Unix, c'était les pipelines qui permettent d'enchaîner plusieurs commandes. Ça, c'était très très bien. Et c'est encore très bien aujourd'hui. On se rappelle peut-être moins, il y avait à une époque, donc je ne sais plus quel grand Yahoo, je crois. Yahoo faisait peut-être que ça existe encore, une façon de programmer avec des pipes aussi, avec donc des processus qui enchaînaient la consommation et la production de données. Donc, tout ça, je ferai pas, je ferai des choses plus simples. Je ferai encore moins des choses qui sont un peu plus lointaines. Tout ce qui est programmation vectorielle, donc ça serait plutôt lié au fait que, si je reviens un peu en arrière, je réduis pas mon parallélisme à quelques nœuds, mais seulement en programmation vectorielle, on imagine qu'on a une centaine ou quelques milliers ou même plus de nœuds de calcul. C'est ce qui se passe sur les cartes graphiques, par exemple. Donc, ça, je ferai pas. Et c'est difficile, ça, hein, à gérer. Hein. Au niveau matériel et même au niveau algorithmique. Je ne ferai pas non plus, si je relâche un petit peu ma contrainte d'avoir des schémas simples, des schémas qui sont plus complexes, par exemple de la programmation systolique, ou carrément pas de schéma de communication établi avec des choses qui communiquent dans les deux sens, donc par exemple les systèmes multi-agents. Mais c'est des choses qui marchent aussi, ou qui peuvent marcher aussi en programmation parallèle, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc ce sur quoi je pars, hein, c'est le schéma de base, c'est un producteur qui va fournir des données qui vont transiter par une file d'attente en Erlang. C'est fait automatiquement. Donc on envoie des données à un processus. Le processus, là, il va être le consommateur qui va donc avoir une file d'attente de données qu'il consommera de temps en temps. Comme on va donc diviser le travail en deux, un producteur et un consommateur, sous réserve qu'un certain nombre de contraintes sont respectées, que bah, il y a autant de travail à faire d'un côté que de l'autre, que le débit, que la vitesse de production, qu'il n'y a pas trop de décalage d'un côté ou de l'autre. Le gain visé, c'est d'essayer d'arriver à un processeur qui tournera deux fois plus et qui, du coup, arriverait à aller deux fois plus vite. Donc, il y a peut-être deux fois plus de consommation électrique, mais par contre, un temps divisé par deux. Mais c'est sous réserve d'un certain nombre de contraintes.
Donc le programme de base pour l'instant, il est vide. Hein. En Erlang. Alors, je vais mettre en lancer au départ donc un programme d'initialisation qui va produire deux processus, un processus consommateur, un processus producteur. Pour l'instant, je ne leur ai pas fourni de paramètres. L'idée, c'est que le producteur va fournir donc, par exemple, des entiers, mais prendra un certain temps à les produire, ces entiers. Et le consommateur, pareil, va consommer ces entiers et puis prendra un certain temps aussi après à les consommer. Alors, pour modéliser le fait qu'il y ait du calcul à faire, que chaque consommation ou production prend du temps, j'ai rajouté un petit programme linéaire qui, en fait, bon, fait simplement une boucle. Donc, si je lui donne un entier n, eh bien, il fait une boucle n fois. Donc, ça simule un travail linéaire. Donc, si par exemple le producteur, j'imagine qu'il va produire des entiers de 1 jusqu'à 100 000, par exemple, ben, pour chaque entier, je vais lui faire une petite boucle de calcul des 1, 1, 1, 1 jusqu'à l'entier que. Donc, si par exemple on a l'entier 500 jusqu'à l'entier 500. Donc, ça lui prendra un peu de temps et puis après, je vais envoyer ce message-là au consommateur qui fera à peu près pareil, récupérera l'entier et fera une petite boucle aussi de temps de calcul sur cet entier-là. Donc le producteur. Donc j'ai dit que donc j'imagine qu'il va avoir un paramètre qui va être le nombre de production qu'il va avoir à gérer. Donc je mets un paramètre P. Donc du coup il faudra que ici je produise un paramètre P aussi. Donc du coup là aussi peut-être un paramètre P qui m'intéressera pour savoir quelle est la taille du travail à produire. Le producteur donc va recevoir ce paramètre P. Donc j'imagine qu'il va travailler un temps P avec le calcul qui était précédemment. Puis j'ai dit envoyer un message. Alors pour envoyer un message, en fait, il faut qu'il connaisse le consommateur qui lui est attribué. Donc il faut qu'il ait une adresse du consommateur. Donc je vais lui rajouter l'adresse du consommateur. Pardon. Ici c'est mieux. Donc ici du coup je rajoute un processus de consommation. On change les noms des variables, c'est juste pour vérifier qu'on est bien avec des noms de variables différents, qu'il n'y a pas de souci. Donc je vais lui envoyer la valeur P à mon consommateur et je vais retravailler. Donc sur le même processus, la consommation avec le même pardon, la production d'un nouvel entier, cette fois je prendrai P-1. Donc j'ai une bou double boucle au final hein, pour P, ça va être P fois, donc des entiers de 1 jusqu'à par exemple 100 000, peut-être pas 100 000, hein, et pour chaque entier, je vais faire une boucle linéaire. Donc au final, ça sera un truc quadratique. De l'autre côté, du côté de la consommation, donc lui n'a pas de paramètres au départ. Le consommateur, il attend un entier. Alors, je note P, mais ça, on peut l'appeler C. C'est pour ce qu'il va consommer. Et quand il reçoit cet entier C, lui va consommer cet entier C. Donc, il y a plein d'autres façons de faire, hein, mais il va consommer cet entier C et puis, une fois qu'il aura fini, il va retravailler, enfin, il va se remettre dans une boucle de consommation du prochain. Donc, ça va être bloquant quand même la consommation de C du prochain entier. Alors, je vais essayer de compiler pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de compilation. Bon, bien sûr, j'ai commencé. Des petits soucis, c'est pas grave. Donc, je relance le moteur. Donc, des erreurs de compilation. Syntax error before done. Oui, alors j'avais mis des done au départ. C'était pour. Et du coup, enfin, c'était pour avoir quelque chose dans mes programmes. Mais du coup, il aura fallu soit mettre une virgule, soit. Donc, d'ailleurs, il faut peut-être que je mette une virgule ici. Là, c'est une virgule aussi. Me trompe. Là, cette fois, la compilation, elle est correcte. Alors, juste quelques essais pour vous montrer que le programme donc, linéaire de calcul, hein, donc, si je le lance 10 fois, enfin, 100 fois, pardon, il va très vite. Si je lance 1000 fois aussi, si je lance 1 million de fois, ça prend un peu plus de temps, mais ça, c'est pratiquement invisible.
Donc ça reste quand même des machines. Alors, peut-être écrire un tout petit peu plus gros. Tant que ça tient à l'écran, voilà. Par contre, si je commence à le lancer 1 milliard de fois, alors 1 milliard de fois, bon, sur une machine qui fait 1 milliard de calculs à la seconde, ça prend à peine plus d'une seconde. Là, vous voyez, ça prend un peu plus d'une seconde, on va dire 1 dizaine de secondes ou un peu moins d'une 1 dizaine de secondes. Donc du coup, mon programme qui est quadratique, je ne vais pas pouvoir le lancer 1 million de fois parce que ça prendrait 1 000 milliards de fois. Hein. 1 million de millions, ça fait 1 000 milliards de fois. Donc ça me prendra un peu trop de temps. Donc je vais lancer des exécutions. Donc mon programme d'initialisation. Alors, avant, pour voir un petit peu ce qui se passe quand même, je vais ouvrir la fenêtre de visualisation des processus que je vais peut-être essayer de garder dans un coin. On verra si j'arrive à la tenir. Donc pour l'instant, mon processeur, bon, réduire ça. Excusez-moi, je n'avais pas tout à fait prévu, mais voilà, c'est très bien, ça marche. Donc tout à l'heure, quand j'ai fait le 1 milliard de fois, alors c'est aussi pour ça que je veux faire ce genre de travail, donc là, il manque 1 0. Mon processeur, oui, donc il est pris par ce calcul-là, il fait que ça, mais en fait, il fait que ça, il fait que ça pour une charge du processeur lui-même assez faible, hein. C'est monté à 30%, c'est déjà bien 30%, hein. Pourquoi? Ben parce que si on visualise, hein, ce graphique-là en processeur logique, alors les processeurs physiques auraient été plus intéressants, mais ce qui est proposé, c'est les processeurs logiques. En fait, quand on fait 1 milliard de calculs, si je relance le 1 milliard de calculs ici, vous voyez, en fait, il y a effectivement des processeurs logiques qui sont à 100%, mais pendant un temps limité, et puis les autres processeurs, eux, on continue à faire peu de choses. Je ne dis pas qu'ils font rien, mais. Et peu de choses. Et donc, si on regarde les choses globalement, notre processeur, ben, il n'a jamais travaillé à 100%. Donc, l'objectif, c'est essayer de le faire travailler un peu plus qu'à 30%, mais là, peut-être à 60%, et à la fin, vers à 100%, en essayant de répartir le travail. Alors, ce ne sera pas ce travail-là, mais un travail sur plusieurs processeurs. Donc, si par exemple, je demandais la production. Voilà, alors c'est pas ça qu'il faut écrire, excusez-moi. Là, le processeur de production tout seul. Alors, il va faire 2 fois moins de travail, hein, que quand on aura production et consommation. Mais donc avec, alors, je vais mettre 10 000 calculs. Donc là, on arrive à peu près comme tout à l'heure, un temps de travail donc qui va être d'une 10aine de secondes, parce que 10 000 fois 10 000, ça fait 100 millions. Et là, en plus, il y a un peu d'envoi de messages, des petits messages. Et j'aimerais bien qu'il s'arrête. Ah oui, bah, et puis j'ai rien mis pour qu'il s'arrête, donc il ne va pas s'arrêter. Donc je vais le stopper. Alors pourquoi il s'arrête pas? Ben parce que j'ai fait une récursivité, mais ma récursivité, elle n'est pas finie. Donc quand on arrivera à 0, on va s'arrêter. Alors pour le consommateur, ben j'ai rien pour l'arrêter en fait, hein. Le consommateur, il faudra le tuer à la fin éventuellement pour qu'il s'arrête. Donc je relance ma machine. Enfin, juste le noyau. Alors, pconso, pas utilisé. Pconso, là, n'est pas utilisé. Alors, voilà, ça, c'est juste un message, un warning pour dire attention, là, une variable qui n'est pas utilisée dans l'exécution. Donc, est-ce que c'est normal ou pas? Donc, bon, il suffit de rajouter, donner un autre nom. Donc, ici, je vais prendre moins de risques que tout à l'heure. Donc, pour le premier essai, donc, là, mais du coup, donc, 100 au carré, ça ne fait pas grand-chose. Je rajoute un 0. Là, on commence à arriver donc à 100 000, donc ça fera 10 milliards. Donc là, ça va être long en fait. Entre les deux, entre le 100 millions de tout à l'heure et le 10 milliards, il y a malheureusement. Bon, alors,
que je veux vous montrer, c'est qu'on arrive à 30% à peu près d'utilisation du processeur, donc ça ne bouge pas. Mais je vais l'arrêter parce que ça va prendre un peu trop longtemps. Même si de temps en temps ça monte un peu au-delà de 30%, ça reste globalement à 30%. Donc je relance mon processus, restart. Et le vrai processus que je veux exécuter, c'est celui qui génère un. Alors, seulement un paramètre. Donc, les deux processus, et puis qui. Peut-être que je l'en compile. Ça, qu'est-ce que ça fait ici? Je l'enlève. Excusez-moi, je nettoie. Donc là, j'ai lancé les deux processus. Alors, il y a un petit message qui apparaît. Et puis, un message. Ah, ben ça, c'est juste le message. Il y avait un affichage qui devait apparaître. Donc, il y a eu un affichage qui est effectivement apparu. Et alors, entre-temps, ça s'est pratiquement terminé tout de suite. Alors, on n'a pas vu si c'était plus long. Donc, je lance cette fois deux processus. Enfin, toujours le truc IPC qui fait à la fois le processus de producteur. Voilà, il lance le producteur et le consommateur. Et les deux vont communiquer avec ces messages. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la charge du processeur, tout à l'heure qui était à 30%, va augmenter à 40%. Alors, on n'a pas doublé de 30 à 60% parce qu'en fait, il y avait une charge de gestion simplement de Windows au départ. Et donc, on est passé quand même à un peu plus. On n'est toujours pas à 100%. Et si on avait attendu tout à l'heure la fin du calcul, on verrait que là, on a un calcul qui est 2 fois plus rapide, à peu près. Fin de la première expérimentation, donc pour montrer comment produire un schéma simple de producteur-consommateur. Deuxième partie. On va assembler deux schémas simples producteur-consommateur à la suite. Donc celui du milieu, du coup, sera à la fois, j'ai pas fait de dessin, mais on a à la fois un producteur qui génère un consommateur, qui sera lui-même un producteur, qui va générer un consommateur. Donc je reprends. Alors, je ne sais pas si je reprends ou si je réécris tout. Je vais voir. Je reprends ça, on va voir ça. Si ça me sert. Donc, j'ai dans l'idée de d'avoir un producteur, ça sera peut-être le même, sauf qu'il va envoyer. Donc, il faudra que je lui donne un paramètre qui sera toujours le paramètre, le nombre d'objets. Alors, tout à l'heure, je l'avais appelé comment P, ou c'est, je l'avais appelé P, nombre de calculs à produire. Donc, le producteur, il va calculer P choses et il va envoyer ces messages à le producteur-consommateur intermédiaire. Donc le producteur-consommateur intermédiaire, il est là. Il va falloir que je l'écrive. Et il va ressembler à ça. Donc je fais un copy. Alors il va ressembler à ça, mais il ne va pas faire exactement ça. D'abord, il va s'appeler processus consommateur-producteur. Lui, il va avoir aussi besoin de savoir à qui il envoie ses résultats. Donc, je récupère l'identifiant du consommateur final. Donc, ça, j'en aurais besoin. Cette règle-là, je pense qu'on n'en a plus besoin. Donc, le consommateur final. Donc, le consommateur producteur. En fait, ça ressemble à la fois à un consommateur et à un producteur. Alors, parce qu'il reçoit son information. Du producteur tout court qui lui envoie ici, donc là c'est le producteur consommateur. Donc une fois qu'il a fait son travail, le producteur, hein, ça a pris un certain temps, il envoie au producteur consommateur l'entier P qu'il a travaillé, lui va le recevoir. Bon, je l'ai appelé C. Il va faire son travail, puis il va envoyer son résultat au
Pardon, j'ai dit, ah, mais c'est au consommateur final, vous voyez, l'ID du processus qu'il va recevoir, c'est celui-là, c'est-à-dire le consommateur final. Et puis, il aura fini cette partie-là, ce qui fait qu'il pourra se relancer. Donc, par rapport au producteur initial, hein, la différence, c'est que ce P-là, ça ne va pas être un paramètre, mais ça va être quelque chose qu'il aura reçu en communication, sur lequel il va faire un envoi, puis après, il se remet en production d'autres trucs. Donc, lui, par contre, il bouclera sans avoir un deuxième paramètre, et il enverra au consommateur final, qui bon, donc recevra donc son C, et alors c'est un C ici qu'on envoie. Toujours avec la même fonction linéaire qui simule le fait que ça prend du temps de gérer cet entier P qui va passer d'un bout à l'autre. Voilà, alors ça, j'en ai plus plein, c'est ce que j'ai tout à l'heure. Je relance. Parce que, alors, j'ai pas super bien fait mon truc, hein. Il y a des processus qui tournent en fait et qui, il y a eu plein de messages d'envoyés et puis des processus qui attendent de nouveaux messages. Donc, je préfère relancer à chaque fois parce que sinon ça va un peu laisser en vrac donc la processus consommateur, ça c'était défini. Processus. Donc ça va laisser en vrac le moteur Erlang et au fur et à mesure j'aurai de plus en plus de processus qui feront tout et n'importe quoi derrière. Donc processus consommateur, qu'est-ce qu'il disait? Ligne 18. Oui, voilà, c'est que ici il manque, enfin il y a un paramètre de, il y a quelque part un paramètre de trop, le processus consommateur, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ben, ça devrait aller. Je vais essayer de voir si ça compile. Voilà, ça a compilé correctement. Donc là, cette fois, on a trois processus qui vont essayer de travailler en parallèle. Ici, est-ce qu'on voit quelque chose? Non. Là, il y a eu un message pour dire que c'était bien quelque chose qui s'était passé. Là, par contre, j'ai mis 1000. Bon, bah, 1000, ça fait 1 million de calculs. On voit rien. Ça prend 1 millième de seconde, puisque 1 milliard, ça prenait quelques secondes. 1 million, ça prendra que quelques dixièmes de seconde. Et puis en plus, c'est divisé par 3. Donc, je rajoute un zéro. Donc, 1 million, ça fera 100 millions. Là, je lance le calcul. Alors 100 millions, ça prendrait un dixième de seconde. Donc là, pareil, on ne voit pas. Alors, je vais essayer de prendre. Donc, pardon. Alors, est-ce que c'est prudent ça? On va voir. En tout cas, pour voir la charge du processeur, c'est prudent. Donc, j'ai pris cette fois. Donc, je rappelle. Le programme initial donc, lance trois processus. Le premier qui envoie au second, qui chacun consomme un petit peu cette donnée-là, et le deuxième renvoie au troisième. Et là, on voit, donc tout à l'heure, on était à 40%, 40, je ne sais plus combien, là, on est à 60%, on n'est toujours pas à 100%. Mais effectivement, le temps de travail, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était peut-être un peu plus long que ça. Là, on est passé de divisé par 2 a priori par rapport au premier programme mais qu'on n'avait pas regardé jusqu'au bout. Ah là, c'est divisé par 3. Donc par rapport à celui qui est divisé par 2, c'est un peu moins long, mais le gain n'est pas aussi grand. La surface, par contre, là, devrait être à peu près la surface par rapport à la surface, le zéro qui est moyen, devrait être à peu près la surface de calcul. Donc voilà un deuxième exemple avec donc. Donc c'est le format souvent qu'on appelle 3 tiers avec enfin ce qu'on appelle 3 tiers en général, c'est que d'un côté on a une base de données, de l'autre côté un serveur métier, puis une interface utilisateur, et ils doivent communiquer. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ce que je viens de montrer, hein, parce qu'il y a plutôt des échanges dans les deux sens, tandis que moi je n'ai fait que des échanges que dans un seul sens. Bon, ce que je montre, hein, ça permet aussi de faire des échanges de ping-pong dans les deux sens, c'est pas un souci. Mais c'est pour simplement voir un petit peu juste ces formats-là d'écriture de programme, comment ça peut marcher. Avant-dernier exemple,
Je reviens sur simplement producteur-consommateur, mais j'aimerais avoir plusieurs producteurs qui fournissent des données dans une file d'attente et un consommateur qui essaie de les récupérer au fur et à mesure. Donc je reprends la définition ici de producteur-consommateur de départ, parce que je pense que elle est. Alors, il faut aussi que je prenne, pardon, le calcul de temps linéaire. Alors, donc j'ai marqué dès le départ que je voudrais n producteurs. Hein, les processus producteurs, j'ai mis un S là, mais je ne sais rien. Bien aussi que je mette un S là. Alors, les producteurs, voilà. Donc, il va falloir que. Je ne vais pas faire ça, tiens. Que j'ai un processus qui produise des producteurs. Pas un processus. Oh, ça peut être un processus, mais ce n'est pas très important. C'est au moins un programme qui produise des producteurs. Donc, je ne vais peut-être pas le faire sous la forme de. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais produire un certain nombre de producteurs. On va voir que c'est un seul processus. Donc là, c'est le N. Alors, ces producteurs-là auront besoin quand même de savoir à qui ils ont à qui ils doivent envoyer des informations, des entiers. Donc, je mets ça dans un coin. Donc, ce processus. Je ne sais plus. Comment va-t-on générer? Donc, ben, si on a un. On se rappelle dans un coin que le processus consommateur, il sera à cette adresse-là et qu'on veut en produire n, que chaque n, c'est la création d'un processus, donc c'est un spawn en fait. Donc. D'un producteur, alors du coup ben, je ne suis pas obligé de mettre producteur avec un S, c'est un producteur. À ce producteur-là, donc il faudra fournir pareil à qui on doit envoyer le message. On le devra faire n fois, donc il faut que c'est une récurrence. La récurrence, il va falloir l'arrêter. Quand c'est à 0, on s'arrête. La récurrence, il faut la relancer parce que sinon on n'en fera qu'un. Ça, c'est un petit peu donc. Bon, c'est l'équivalent de la boucle hein, qu'on ferait dans d'autres programmes. Et alors, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin aussi de savoir quelle est la quantité de travail que je veux leur demander. Donc, je vais avoir un autre paramètre, c'est P, c'est la quantité de travail. Alors, cette quantité de travail, donc ça, j'en ai plus besoin. Voilà, je l'ai mis de côté. Donc la quantité de travail P. Je demanderai la même quantité de travail à tous les producteurs. Alors, ceci dit, si je demande la même quantité de travail à tous les producteurs et qu'il y en a n, n peut valoir, on va essayer 10, on va essayer peut-être 4. Et en fait, le consommateur, lui, il va avoir à peu près la même quantité de travail. Donc, il faudrait qu'il en ait un peu moins de travail à faire. Donc, il faudra peut-être fournir, pour qu'il y ait un peu moins de travail, pour qu'il y ait autant de travail à faire de chaque consommateur et du producteur, il faut que le producteur il travaille un peu moins globalement pour chaque donnée, parce que chaque entier, il va le recevoir plein de fois. Il va le recevoir de chaque producteur. Donc, au consommateur, je vais fournir aussi. Ce N, je ne vais pas fournir le P, pour qu'il puisse travailler un peu moins. Donc les producteurs, je les ai produits. Voilà, j'en ai produit N. Chacun, j'ai donc demandé d'avoir un processus d'exécuter un processus de production qui générera P éléments. Donc il génère P éléments. Le consommateur, donc, sachant qu'il va recevoir N. Des éléments, je ne vais pas lui demander de travailler sur C, mais sur C divisé par N. Et puis se relancer. Donc c'est ça qui va permettre que le consommateur recevra N fois plus d'entiers, mais il travaille sur chaque entier N fois moins. Donc du coup, il aura une charge à peu près équivalente. Sinon, en fait, pour l'exemple, hein, ça risque d'être un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que si tous les producteurs
génère un temps de travail, par exemple 1, et que le consommateur, eh bien, il faut qu'il prenne à peu près autant de temps que chaque producteur, lui, il va avoir un temps de travail n. Et du coup, ben, le temps de l'ensemble, ça sera 1 plus n, alors qu'on voudrait que ça soit tous ces 1 qui soient en parallèle, et en parallèle de ce 1-là. Donc, on voudrait que voilà, que ce truc-là soit pas plus long que tout le reste. Donc, c'est pour ça que je lui demande de travailler un peu moins sur chaque entier. Bon, voilà le consommateur, donc je redonne n. Eh bien, ne bouge pas. J'espère que la division Erlang sait la faire. Je ne me rappelle plus bien comment ça se passe. Il faut que je relance parce qu'entre-temps. Voilà. Donc, alors, processus N producteur avec un S. Deux paramètres. Il en faut trois finalement. Et ça, c'est la quantité de travail. Alors, ensuite, PA News, bon, ça c'est pas très grave. Ça c'est juste pour faire joli. Donc, je voudrais, si possible. Voilà. À vouloir tout mettre sous la même. J'ai plus de place. Hein. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que j'en ai un tout petit peu plus? Ouais. Voilà, c'est que c'est. Donc, maintenant, donc. Ce processus-là, enfin, ce programme-là, je vais lui demander de répartir son travail. Donc sur, je vais commencer à trois processus. Alors, pardon, deux, sachant qu'il y aura aussi le consommateur. Donc c'est comme si je faisais trois. Donc, je devrais arriver à peu près comme tout à l'heure, quand j'avais trois tiers. Là, si je lance l'exécution, alors c'est super rapide, on ne voit pas. Alors, on voit pas. Il est quand même à 30%. Je suis un peu étonné. 1000, ça devrait faire 1 million de calculs. Alors, est-ce que il se passerait des choses que j'ai pas prévues? Alors, on va faire une pause dans la vidéo. J'ai encore jamais fait ça. D'accord. Je préfère pas. Bon, je vais relancer. En même temps, je réfléchis un petit peu. Donc, chaque producteur ici a produit une valeur qui a été consommée là. Regarde dans un coin ce que ça fait. Ah oui, donc c'est ce que je craignais. Sur la division. La division, si ça donne 5,0, le problème c'est pour arriver à 0, pour s'arrêter. Enfin, j'ai une petite crainte. Voilà, quand on va s'arrêter à 0 ici, il risque de ne pas s'arrêter parce qu'on est sur les entiers ici, tandis que là, on va être sur les flottants. Donc, il faut que je fasse la division. Alors, est-ce que c'est divisé par 2? C'est pas ça. Est-ce que c'est div? Voilà. Donc, ça va être mieux. J'espère que ça va aller mieux. Donc je relance, parce que là il y a un processus qui en fait essaie de faire des divisions en parallèle au milieu et puis s'arrête jamais. Donc en fait il y a que deux processus qui fonctionnent et pas trois. J'ai relancé, je recompile, je lance l'exécution. Alors sur 1000, alors ça j'aimerais bien que ça se cache. Donc, N producteur, 1 consommateur. Donc, sur 1000, on ne va pas voir le temps. Donc, bon, on va pas, ça s'est remis à une vingtaine de pourcents. Sur 10 000, on arrive à 100 millions de calculs. Donc, c'est toujours un dixième de seconde. Donc, on ne va toujours pas voir le temps. Sur 100 000, là, on va donc avoir le temps à peu près comme tout à l'heure pour les trois processus. Alors, c'était 60, je ne sais plus, 70. Long.
Donc on retrouve à peu près le temps de calcul, et ça veut dire que aussi tous les calculs qui sont faits, ben, il y a 3 fois plus de calculs qui sont faits à un moment donné. Les productions de processus, c'est très, très faible en fait, parce qu'il y en a très peu hein, par rapport au temps de calcul. Les communications, pareil, il y en a très peu si vous réfléchissez par rapport au temps de calcul. Donc l'essentiel, c'est effectivement vraiment la boucle ligne qui est faite un peu partout, plein de fois dans tous les sens. Donc c'est cette boucle ligne qui prend du temps. Et donc le temps de calcul global, eh bien, il vaut à peu près ce qu'il vaut. Par contre, là, précédemment, on ne pouvait pas fixer plus que le produit. Enfin, dans les deux schémas précédents, le nombre de processus en parallèle, là c'était 3, là c'était 2, on ne pouvait pas fixer. Ici, au minimum, si j'avais mis un producteur, pardon, je suis là, un producteur et un consommateur, on aurait eu 2 processus. Là, j'en ai mis 3. Je peux décider d'en mettre 10 producteurs. Il y aura un consommateur. Mais voilà, si j'en mets 10, eh ben, j'arrive tout de suite. Alors, 10, j'ai été large. Il y en a plus que possible, en fait. Parce que je n'ai pas 10 processeurs, même des processeurs logiques. Des processeurs physiques, j'en ai que 4. Hein, des cœurs, là, c'est écrit. Processeur logique, il y en a 8, c'est-à-dire que chaque cœur ici simule 4 processeurs logiques, dans la version un peu simple. Et donc là, il y a des calculs qui sont faits. Alors, je m'attendrais à ce que ça aille 2 fois plus vite. Mais en fait, ce n'est pas 2 fois plus vite que ça, parce que j'ai demandé 10 fois plus de production de nombre. Donc, il y a quand même 10 fois plus de calculs à faire. Donc, c'est pour ça que ça sera plus long. Donc, j'aurais dû paramétrer un petit peu mon programme un peu différemment pour qu'il y ait un peu moins de production de nombres. Mais en tout cas, ce qu'on voit effectivement, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est un schéma où on a plusieurs producteurs qui envoient tous à un même consommateur. Donc, ça, c'est la chaîne de production de tous les producteurs. Chaque producteur est indépendant après. Parfait, ça, hein. Ils sont tous en parallèle et ils envoient tous au même consommateur qui lui récupère les choses. Et sous réserve que lui ne travaille pas beaucoup plus que les autres, eh bien, il y a une bonne entente entre tous les processus qui travaillent et ça devrait aller plus vite. Donc là, mon exemple ne montre pas que ça va plus vite parce que en fait, je me demande à chaque fois plus de calculs. Dernier exemple. Pourquoi les exemples suivants, précédents et autres, c'est que bah, des fois, le calcul qu'on a à faire se prête mieux à la division simplement en 2, des fois c'est la division en 3, des fois c'est en 4 ou 5, bon bah, ça vous aide à peu près. Des fois c'est plusieurs producteurs, un consommateur, des fois c'est un consommateur, plusieurs producteurs. Je n'ai pas fait le schéma plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs, parce que au final, quand on n'a que 3-4 processeurs, enfin cœurs pardon, dans le processeur, ça risque d'être bon. C'est un peu creux de vouloir couper ça quand même les cheveux en 4. Donc, par contre, dernier schéma, un producteur et plusieurs consommateurs. Donc, je repars du mon schéma de départ d'un seul. Donc, où on avait un producteur, un consommateur. Qu'est-ce qu'il va falloir que j'implémente un peu différemment pour que ça marche? Donc, mon producteur. Donc, lui, en fait, mon producteur, alors le schéma, il n'est pas forcément bien dessiné parce que je vais pas avoir. Enfin, on pourrait imaginer d'avoir ce genre de schéma-là et d'avoir les consommateurs qui cherchent chacun leur tour dans une file d'attente. Ce qui me semble le plus naturel, en fait, c'est le schéma. Parce qu'en Erlang, c'est comme ça que c'est fait, c'est que chaque processus a sa chaîne, a sa file d'attente. Donc, c'est le producteur plutôt qui va envoyer à plusieurs files d'attente pour chaque consommateur. Donc, si j'ai le temps un autre jour, je referai le dessin pour avoir plusieurs files d'attente pour chaque consommateur, enfin, un par consommateur. Et donc, mon producteur ici, il ne va pas envoyer ça à un consommateur générique pour tout le monde. Il va falloir que ici, on nous envoie une liste de consommateurs à qui on va envoyer les entiers, alors enfin les ressources. Donc ça va être un peu plus bon, il va falloir que je le fasse quoi. Donc mes processus de consommation produits ici, donc
En fait, il va falloir que je fasse des spawns, et à chaque spawn, je récupère mon processus pour passer ici l'ID. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça, je l'enlève. Enfin, je le mets dans un coin pour l'instant. Plutôt par là. Je vais en avoir besoin, mais bon. Je vais avoir la production de tous les processus. Donc, liste console matter. Donc, qui va être le résultat de la production de tous mes consommateurs? Processus console matter. Donc, qui aura besoin comme paramètre? Alors, on veut savoir toujours deux choses, a priori, n qui va être le nombre de processus qu'on va vouloir produire en consommation, hein, nombre de consommateurs, et puis pas plus. Par contre, le P, ça va être la charge, c'est-à-dire le nombre de calculs qu'on veut produire, lui, il sera ici. Et ici, il faudra aussi fournir la liste des consommateurs. Alors, la liste des consommateurs, j'imagine. On va voir ça tout à l'heure, que je vais avoir besoin en double. Parce qu'en fait, je vais consommer la première et puis la deuxième me servira de sauvegarde. On va voir tout à l'heure comment je vais faire. Donc, ma liste des processus consommateurs, comment je vais faire? Donc, je veux produire donc, N consommateurs. Si j'en ai réussi, si je les ai tous produits, je suis content. Si j'ai pas fini, alors je dois alors faire ce genre de manip-là. Et fournir donc à la fin, alors la liste de tous les ID qui ont été produits. Donc je dois fournir une liste. Donc la liste, le premier ID, ça sera celui-là. L'ID suivant et les suivants, ça sera les autres processus de consommateurs produits. Donc si vous voyez bien ce que ça va donner. Donc là, je vais mettre en fait, c'est pas done, mais la liste vide. Un 0, il n'y aura plus. Les précédents, donc le premier mettra, générera un premier processus de consommation. Alors, est-ce que là, il a besoin d'un paramètre? Lui, non, tout à l'heure, il n'y a pas besoin. Processus consommateur, il reçoit un entier, il fait son boulot et il se relance à attendre un nouvel entier. Bon. Et les suivent. Et donc, ça devrait être pas mal. Du côté du producteur. Donc, le producteur. On a dit que en fait il allait avoir besoin donc d'une liste des processus de consommation en double. En double, mais ce n'est pas forcément le même. Donc que le producteur. Oui, il y a un seul producteur. Donc. Seulement LC. Donc le producteur, quand il donc reçoit, enfin quand il veut, quand il a un entier, il a plein d'entiers à produire, il travaille dessus et il va demander dans sa liste de consommateurs un premier consommateur. Donc c'est un processus consommateur, donc c'est un P conso. Ça c'est quand ça se passe bien. Et il va lui envoyer à ce processus consommateur l'entier P qu'il a travaillé. Et puis il va se relancer avec le même paramètre, alors enfin, pas exactement le même paramètre, la fin de la liste des consommateurs, et puis ce paramètre-là qui pour l'instant reste un mystère. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Et quand on arrive à zéro, par contre, on s'arrête. Et qu'est-ce qui peut se passer? Ben, il peut se passer qu'en fait, la liste des consommateurs, il n'y a plus rien. Parce que tout a été consommé.
Enfin, tous les consommateurs, on a fait un tour, on a envoyé au premier, puis au deuxième, puis au troisième. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? En fait, c'est pour ça que j'ai gardé cet entier, cette liste-là, hein, qui est une sauvegarde de la liste de tous les consommateurs. Donc je peux relancer mon... Donc, je n'ai pas encore consommé mon produit, ma valeur P, avec une nouvelle liste qui est la même que de tous les consommateurs. Et donc, il va revenir là. Là, il ne passera pas sur ça, mais il passera sur ça et il fera le travail. J'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, donc, j'essaie de compiler. La compilation, il est dans les choux, comme souvent. Alors, j'utilise Notebook, hein, parce que quand même super sympa, moi je trouve, de pouvoir mettre du code, des images et d'exécuter au même endroit. Mais par contre, le Notebook de Erlang, il faut un peu le revoir. Enfin, je n'ai pas encore fait le boulot, parce que, il n'est pas très stable quand on écrit des programmes qui sont incorrects. Alors, entre-temps, donc. Et puis, il y a des petits soucis, par exemple, on n'a pas les numéros de ligne. Enfin, bon, peu importe. Entre-temps, ligne 17, donc il faut deviner où c'est la ligne 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, à peu près par là. Ce truc-là. De toute façon, j'en ai pas besoin. Devant Pro Consommateur. Spawn. Parenthèse, parenthèse, Pro Consommateur is unbound. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'erreur là? Ah oui, là il y a un P majuscule. C'est parce que ça, c'est un processus. Enfin, c'est un programme, c'est une fonction. Donc, il faudrait l'appeler avec un processus consommateur. Là, c'est sans S, donc ça permet de voir un petit peu d'autres erreurs. Donc, faut les fonctions, il faut les appeler avec des minuscules. Et si c'est une majuscule, c'est une variable. Et la variable, elle n'était pas encore connue. Et puis, il y avait une erreur de syntaxe, parce que là, c'était enfin, c'était un nom de variable. Donc, le processus de consommation de celui-là, hein, le vrai processus de consommation, alors, je dis le vrai, en fait, là, on a plusieurs consommateurs. Hein. Mais chacun est toujours le même, c'est celui-là. Mais il a fallu générer tous les processus de consommation, et ça, c'est la génération, donc au départ, ici, des processus de consommation. Voilà. Et là, pareil, il faut que ce soit. Ouais, tant mieux, hein, que je vois tout ça. Donc là, ça va générer toute la liste des processus de consommation, processus consommateur avec un S, qui fait plein de spawn, et qui pour chaque. Donc chaque nouveau processus, spawn c'est pour générer, pour faire naître un processus consommateur, et puis qui générera d'autres processus, et qui récupère les IDs des processus qui ont été créés au fur et à mesure, jusqu'au dernier, et au dernier il n'y a plus rien à récupérer. Alors, entre-temps donc, erreur de syntaxe, il faut relancer la machine. Heureusement que c'est rapide. Cette fois, ça compile correctement. Je prends. Ici. Donc, je commence avec simplement un processus pour vérifier un processus de production, voilà, un producteur et un consommateur. Donc, j'ai généré non, pardon, là, il y en aura deux consommateurs. Bon, je n'aurais pu faire un. Et erreur, des erreurs de partout. Alors, il faut que je trouve système limite en plus. Ah, système limite, c'est que probablement j'ai oublié de faire moins 1. Donc, ma génération de tous mes consommateurs. Il a dit quoi? J'ai pas eu le temps de voir. Bon. Ma génération de tous mes consommateurs, en fait, j'avais bien prévu un cadet d'arrêt, mais j'avais pas réduit, donc j'avais pas réduit la terminaison.
Donc, ben, ça ne marche pas. Donc là, je recompile. Là, j'essaie de voir si ça marche. Alors, donc, avec 100, on ne voit pas. Avec 1000, on ne va pas avoir beaucoup plus. Il faut ajouter 100 000 calculs. Et 100 000 calculs, donc là, ça fait beaucoup de calculs, mais vous voyez, ça stagne à toujours les so alors, peut-être 60%, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Là, je ne sais pas pourquoi c'est 40%. Mon lecteur, c'était un peu plus. Oui, parce que j'ai pas fait le travail, enfin l'effort tout à l'heure. L'effort tout à l'heure, ceci dit, c'est intéressant. L'effort tout à l'heure que j'avais rajouté, c'était de faire en sorte que celui qui est tout seul là, il n'ait pas deux fois plus ou n fois plus de travail à faire. Donc, d'ailleurs, c'était le consommateur qui était tout seul, je travaillais une fois sur deux. Là, le producteur, il n'arrive pas à produire assez pour les deux consommateurs. Donc, les deux consommateurs, et ça se voit en fait finalement, sur les 40% qui sont là, il a pas assez demander à chaque consommateur de travailler. Donc, du coup, les consommateurs, bah, ils donnent chacun la main, ils ont la moitié du temps à attendre. Donc, les deux consommateurs, ils n'étaient pas bien fournis. Bon. Pour corriger ça, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est que le producteur, il demande à chaque consommateur de travailler deux fois plus. Comme ça. Alors, attendez, est-ce que c'est la bonne pratique? Ou est-ce que je suis en train de faire l'inverse de ce qu'il faut faire? Donc, il y aura le consommateur qui va travailler un temps, qui va générer des nombres qu'il va envoyer d'un côté ou de l'autre. Et chaque, voilà. Donc, il va envoyer la moitié des nombres d'un côté seulement. Et chaque moitié de nombre, par contre, on lui demandera de travailler deux fois plus. Enfin, j'espère que ça. Vous avez suivi la logique. Et que ma logique est correcte. Donc si je demande ici, donc on se retrouve donc cette fois avec des producteurs, trois, comme si on avait trois processus, effectivement, chaque processus travaille à peu près autant, on arrive au 60%. Et donc là, par contre, si on se dit, ben, il faut ajuster pour que ça fasse du 100%, c'est-à-dire mettre plusieurs consommateurs, alors j'ai dit deux, ceci dit, c'est pas deux qu'il faut mettre, hein, c'est un N ici. Le N pour l'avoir, eh ben, il faudrait que je le fournisse. Donc lui c'est donc c'est dans le processus de consommation. Non, c'est ici que j'ai pas l'information qu'il me faut. Producteur, il faut aussi que je mette N. Donc là, je mets N factice, mais pour avoir. Ah, là, je ne suis pas obligé d'être factice. Contraire, j'en ai besoin. Donc, parce que c'est N égale 2 quand j'ai deux processus en bout, mais si c'est N consommateurs. Bien des consommateurs, là j'ai plusieurs, oui. N consommateurs. Si je veux pas que mon producteur ait autant de travail que tous, eh bien, il faut que je demande à eux de travailler plus que lui, comme ça. Lui, il dit, bah, tiens, moi j'ai travaillé 5 fois, toi tu as travaillé une fois, une fois, une fois, une fois. En fait, chacun, pour qu'il travaille autant, il faut qu'il travaille 5 fois plus que une fois que le producteur a demandé. Donc c'est pour ça qu'on lui demande 5 fois plus. Donc, alors, le N, un endroit, il n'est pas connu. N, N, N. C'est N ici. N, par contre, ne bouge pas ici. Donc les messages de compilation, même les warnings, il faut toujours les prendre en compte. C'est toujours important. Donc là, on a 3. Je regarde les messages ici. Non, ça va. On a 3, donc ça va prendre un certain temps. Alors du coup, là encore, je demande plus de travail. Donc, c'est trompeur, hein. Ça va pas aller 3 fois plus vite parce que en fait je demande 3 fois plus de travail. Et donc si ça prend le même temps, déjà ça sera bien, quoi. Par rapport à tout à l'heure. Et puis ce qui est bien, donc c'est en plus c'est le 100 000, hein, que je donne. Donc 100 000 au carré, ça fait de l'ordre du 1000. Donc le 1000 ça fait 1 million, le 100 000 ça fait 10 fois 100 ça fait 1000, donc on arrive au milliard et 10 milliards. Alors, on a de la chance, je crois, parce qu'il y a un coefficient divisé par 2 en tout. Mais on arrive à. Déjà, le milliard, il prenait quelques secondes, donc le 10 milliards,
Donc, on a à peu près la même taille que les autres, alors qu'on a fait 10 fois plus de calculs, enfin, 3 fois plus de calculs. Et donc, là, ça qui est bien, c'est qu'on peut ajuster, du coup, le nombre de processus. Alors, tout à l'heure, j'avais essayé avec 10, là, je vais essayer avec 4. On peut ajuster à peu près. Alors, tâtonner, hein, vous voyez, là, je suis à 85%. Tâtonner pour qu'il y ait. Alors, je peux mettre un peu au-delà, parce qu'au-delà, ce n'est pas grave, les processus, ils travailleront en parallèle. Mais on peut tâtonner pour essayer d'arriver à peu près. Utiliser le processeur à son max, c'est-à-dire à 100%. En espérant que on ne perd pas trop de temps en messages, en création de processus. Alors là, pour le coup, je pense que les langages qui sont orientés parallélisation, hein, comme donc, Go, par exemple, le langage de Google, ou Erlang, ou d'autres encore, oui, on a à peu près le même temps de calcul, alors que là, il y a eu 2 fois plus de calculs qui ont été faits, sont bien faits pour que la génération de processus et les communications entre processus se passent bien. Par contre, un dernier exemple, c'est que je ne vais pas faire manip jusqu'au bout, mais donc, oui, à 4, comme on n'était pas à 90%, on a à peu près le même temps. Si je mets 10, en fait, là, il y a plus de temps, donc par contre, la surface ici ne sera pas plus grande, donc le temps de calcul doit être plus grand. Et en fait, il y a des choses qui vont se passer éventuellement si j'avais mis ici 1 million. Alors, je peux mettre 1 million, hein. Mais bon, ça va être l'horreur. Parce qu'il va dire, pas de problème, moi, je vous crée, là, j'ai mis quoi? 100 000, je n'ai pas osé 1 million. Je vous crée 100 000 processus, et 100 000 processus qui communiquent, bon, ça prend juste 100% du CPU, et pas plus. Mais en fait, les processus, la plupart vont ne rien faire, et puis ça va, en plus, là, ça va générer beaucoup, beaucoup de calculs. Heureusement, je vais pouvoir arrêter ça. Mais il va y avoir peut-être un surcoût si le calcul à faire n'est pas si grand à la côté gestion des processus. Voilà, fin de l'exemple pour aujourd'hui sur le travail avec quelques schémas simples de parallélisme pour des machines de ce siècle, début du 21e, qui ont quelques cœurs et pas plus. Et vous voyez, c'est toujours pas fini le calcul. Mais je vais m'arrêter là quand même.